Eh bien salut tout le monde, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur MW3 et on est en mêlée générale aujourd'hui sur Favela. Et vous allez voir que cette game là, on va l'expédier, ça va être expéditif. On va torcher ça rapidement, hein. Et pourtant en plus c'était la première fois que je faisais la map Favela en mêlée générale sur ce jeu. Bon, la Favela je la connais par cœur la map, hein, mais voilà, la mêlée générale c'est toujours une manière de jouer un peu différente, dans le sens où voilà, tu peux pas juste rusher un peu partout dans la map, vu que là ça spawn toujours un peu partout. Faut se garder une petite zone. Et du coup au début de game là j'ai spawné ici, puis j'ai dit bah tiens, cette zone là elle a l'air pas dégueulasse. En tout cas je vais tester la zone, on va voir qu'est-ce que si j'arrive à comprendre un peu les spawns qui est autour, parce que voilà, l'important c'est de garder sa zone, comprendre les spawns dans cette zone là et tourner autour de ces spawns là. Parce que si tu fais le tour de la map, tu vas te prendre des spawns par derrière, vu qu'il y a quand même 7 mags qui peuvent spawner un peu partout sur la map, et tu vas mourir comme une merde, tu vas pouvoir enchaîner et gagner tranquillement. Donc voilà, vous allez voir que j'ai tourné beaucoup autour. Bon là je suis un peu expatrié dans une autre zone, mais vous allez voir que je vais revenir assez rapidement dans l'autre zone où j'ai spawné tout à l'heure, et puis on va enchaîner comme un gros porc quand je commence à avoir la visu. Donc voilà, n'hésitez pas à tester la mêlée générale parce que j'avais fait une vidéo sur ça, mais c'est l'un des meilleurs modes de jeu si vous êtes un joueur solo. Parce que voilà, pas besoin de se prendre la tête avec des coquilles pierres, et pouvez récupérer des win victoires facilement. Surtout que voilà, la victoire compte si vous êtes dans le top 3, donc c'est bien. Et donc voilà, si vous êtes un bon joueur et que vous savez tenir un minimum votre manette, le top 3 je pense que c'est largement faisable pour choper une petite victoire tranquille. Et puis voilà quoi. Sur ce je vous laisse, pouce bleu, abonnez, faites partager, puis moi je vous laisse avec la série. Ah bah oui, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux sauter comme une merde et tomber comme une merde. C'est exactement ça, merci le jeu. C'est bon. Je suis désolé aussi, courir c'est bugué depuis tout à l'heure. Je peux pas courir sans que ça fasse des trucs chelous. Hmm.